Aigle des songes, visiter esprit, beau rêveur. Toujours le même rêve. Montagne sacrée, devenir poussière. Je sais, grand-père. J'ai appelé mon ami Champignac. Tu sais, le grand sorcier blanc des champignons. Il a promis de nous aider. Oula ! Sage décision, mon fils. Dis donc, d'après ce guide, Hoplaroc est en plein désert. Pourquoi le comte veut-il nous envoyer là-bas ? Nous allons bientôt tout savoir. Nous arrivons. Oh ! Ah ! Désolé, il y avait un petit obstacle. Mille tonnerres, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bonjour, monsieur le comte. Ah, mes amis, vous arrivez fort à propos, ça va bientôt être le moment. Le moment de quoi ? Mais de la récolte, sapristi ! Suivez-moi ! Voyez-vous, j'ai mis au point il y a peu de temps une nouvelle variété de champignons aux spores hyper expansives, l'Ascomycetus gonflo. Oh ! Résultat marquant ! Cette machine, construite un peu à la hâte, je vous l'avoue, compresse actuellement quelques tonnes d'Ascomycetus pour obtenir un hyper concentré de mycomousse. Vite, 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 c'est le moment! Plaudite, mes amis, ça marche, ça marche! Regardez, j'ai réussi. Ah ! Sabre de bois ! Elle est tombée dans l'eau. Vite, sortons ! Je crois avoir compris le principe de votre invention, monsieur le comte. Oui, c'est ce qu'on appelle une idée en béton. Mes amis, le sort de Hoplaroc est dans ce bocal. Le temps presse. Mon ami Bob Olgom attend ses pilules avec impatience. Il vous expliquera votre mission, la mission Mycomousse. Maravilloso, le trick de la fausse jambe cassée a marché à la perfection. Que les choses soient claires, Cortisone. Si tu n'avais pas le plan des égouts de la bijouterie, ah, je t'aurais laissé pourrir dans ton cachot. Ah, oh, ah, ah, godete, ah. Fulmigazione dell'inferno, ma que c'est lourd. Mais c'est du ciment, qu'as-tu fait, assassino hein? Du ciment ou du plâtre, qu'est-ce que ça change? J'ai pris ce que j'ai trouvé. Stupido, où est le matériel? Ah, perfetto. Aïe, 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 aïe. Ah, non, le réservoir. Maledizione. Victoire, la chance est revenue. Ah, tu trouves? C'est avec ça qu'on va percer le mur blindé de la bijouterie, peut-être? Quand l'oiseau de fer arrivait. Hello, hello. Bienvenue à Hoplaroc, mes amis. Je m'appelle Bob Olgum. Et voici Boo Rêveur, mon grand-père, le dernier chaman des Hoplas. Kenavo, que le grand Bigorneau vous protège. Kenavo aussi, monsieur Hibou. Voici la mycomousse que vous attendiez. Asseyez-vous, je vais tout vous expliquer. Après de longues études de géologie et d'électronique, je suis revenu habiter avec mon grand-père, ici, sur la terre sacrée de mes ancêtres.
Or, si nous ne faisons rien, cette montagne, berceau des Hoplas, va disparaître. Le sol sous notre montagne est en roche friable, percé de multiples cavernes, dont une immense creusée depuis des siècles par une rivière souterraine. Depuis peu, la voûte de cette grosse caverne menace de céder, ce qui ferait s'effondrer Hoplaroc. N'en dites pas plus, j'ai compris. Nous allons combler cette caverne grâce à la Mycomousse. Bon, ben y a plus qu'à creuser un petit trou de quelques centaines de mètres. Où sont les pelles? Oh, oui. Très drôle, suivez-moi. Le seul moyen d'atteindre la caverne est de passer par le réseau des grottes du sous-sol, grâce à un véhicule de mon invention, la Spéléomobile. De l'eau? Tu as de l'eau et tu ne me le disais pas? Yeah, elle est bien fraîche. Je crois qu'il est temps de rediscuter du partage de notre futur butin. Bandito assassino! Oh, maledizione! Plutôt, arcortisone! Une calamité ambulante, voilà ce que tu es! Silencio, stupido! Regarde! Yahoo! Fantastique! Cette spéléomobile est un véritable petit bolide! Merci, Fantasio, merci. Ralentissez un peu maintenant. Nous allons passer aux essais de maniabilité. Bien reçu. Qu'est-ce que je fais, un double saut périlleux? Dirigez-vous plutôt vers le massif rocheux. Et c'est parti. Doucement, Fantasio, doucement. Eh bien, tonnerre, heureusement que j'ai la tête dure. Content que tu t'en rendes compte, on vient de te dire de ralentir. Je hais ces rochers. Là, ça tombe bien, nous allons passer aux essais de perforation. Ah, vengeance. Mamma mia, che fortuna, une perceuse géante. C'est exactement ce qu'il nous faut. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend? Oh, quel trou! Quoi, Pip? Aïe! Ah, raté! Mais je n'en reviens pas, Fantasio! D'où sort-il celui-là? S'il est là avec sa bestiole, c'est que le rouquin ne doit pas être loin. Fantasio! Fantasio! Fantasio, réponds-nous, tout va bien? Ah, cette fois c'est sûr, c'est la panne. J'espère qu'il ne s'est rien passé de grave. Le mieux, c'est d'aller voir sur place. Prenons le 4x4. Ah, les blondinets, tu vas faire le saut de ta vie! Ma tête. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, à l'aide, au secours. Moi, New York et Las Vegas. Je vois déjà l'enseigne de la chaîne de casino que je vais m'acheter. Casino Vito Cortizone. Aïe, maladroit! Là-bas, le massif rocheux. Oui, c'est l'endroit où on a perdu le contact. Bon, allons voir. Attendez, je vois ces traces là-bas. C'est la direction de la ville, je ne comprends pas. Il faut le rattraper. Je suis désolé, Spirou, je ne vois vraiment pas ce qui a pu se passer. Oh, Spip! Spip! Mais où est Fantasio? Demi-tour, Bob! Demi-tour!
mon plan, l'entrée des égouts est là. Ah, quel puanteur! Et il y en a qui disent que l'argent n'a pas d'odeur. Fantasio, mais comment es-tu arrivé là? Excellente question. Voilà, c'est exactement ici. Auf Wiedersehen, Cortisone. Vous allez me payer ça, von Schnabel. Ma, que c'est beau. Hein? Doucement, doucement. Toi, tu as bien gagné ton poids de noisette. Allez, encore un petit effort. Ah, ça me fait un petit peu de peine de quitter un cactus si attachant. Content de vous revoir, mon vieux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, je sais pas, moi, je venais de percer un tunnel du tonnerre quand soudain, boum! Je me suis réveillé avec les pieds dans le vide. Bon, on élucidera ça plus tard. Il faut retrouver la spéléomobile. Dodo, l'infando, l'infanta. L'enfant dormira bientôt. On vit des scènes, stupido. Ah, les traîtres. Cortisone, tu vas le regretter. Là-bas, la spéléomobile. Mamma mia! Où sont mes diamants? Et tes diamants, je ne sais pas. Mais les miens, ils sont partis par là. Un peu plus près! Bien joué, l'ami. Ça, c'est du rodéo. Alors, Bob, vous avez découvert ce qui a pu se passer? Non, non, à part l'antenne, tout était en parfait état. Grand-père dirait que le grand aigle des songes nous a joué un tour. Ça, on peut dire qu'il n'y a pas été de main morte. Ah, hein? Ah, ah. Vite, les amis, le temps presse. Hop, la roque ne tiendra plus longtemps. Comment s'appelait ce vieux film déjà? Ah oui, Aller simple pour l'enfer. C'est malin. Parfait, le radar fonctionne. Vous pouvez y aller. Bonne chance, les amis. Bob, Bob, tu me reçois? Quel est le programme, maintenant? Bon, vous devriez arriver bientôt au premier à pic. Stop! Tu parles d'une marche?
C'est bon, tu peux y aller. J'espère que tu es sûr de toi. C'était quoi le titre de ce vieux film, déjà? Oui, oh, ça va, ça va. Ah, oh, je hais les précipices. C'est là qu'on voit que la vie ne tient qu'à un fil. Bien joué, les amis. Bon, maintenant, vous faites demi-tour. Très bien. On va se faire un petit trou dans la paroi. Vanderbar, mes diamants ne sont pas loin. Mais non, ça, c'est les miens. Freine, Spirou, freine! Mais qu'est-ce que tu crois que je fais? T'es mon croisé? Attention, le gouffre! Le gouffre! Ah, ah, ah. C'est à un poil près. Spip! Ah non, 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 non! Ah. Spirou, Fantasio, qu'est-il arrivé? Répondez-moi. Tout va bien, Bob. Tout va bien. Ouais, nous avons simplement pris un petit raccourci. Eh bien, on peut dire que vous m'avez fait peur. Bon, je vois où vous êtes. Le plus dur reste à faire, il faut percer la paroi nord et... Où est la machine perceuse? Bob, allô, Bob. Rien à faire. Encore une panne de radio. Je vais aller vérifier l'antenne dès que tu auras daigné remettre l'appareil dans une position plus conventionnelle. Moi, les diamants! Ah, je te préviens, Cortisone, n'essaye pas de me doubler! Bob, vous m'entendez? Pas de réponse. N'insistons pas, le temps presse. Je l'ai semé! Assassino! Bandito! Ah! Au secours, aiuto! Et si nous reprenions cette passionnante conversation sur le partage des diamants? Je crois que nous sommes arrivés. Regarde! Il est vraiment temps d'intervenir. Vite, la Nicomousse. Pirou, je m'en doutais. Passe-moi mes diamants. Nos diamants. Vito, Von Schnabel, qu'est-ce que ça veut dire? Je commence à comprendre ce qui m'est arrivé. Ma Fantasio est vivant. Les diamants. L'ami Comus, il faut partir, vite. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais va voir toi-même, puisque t'es si curieux. Arrêtez-la. Oh, mamma mia. Oh, mamma mia. Oh, oh. Accrochez-vous, vite. Tonnerre! Oh, cette fois, on est bel et bien coincé. Et ce truc qui monte comme un soufflé. Si on reste là, on va finir en statue de Nicomus. À moins que la Nicomus soit notre chance. Plus solide que du béton, à tout le monde. Par
San Al Capone, par San Luciano, par San Vito Corleone, ed è... Oh, 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 hop! Malin, on les a perdus. Grande magie, Bigorneau, sauvé au Plaroc. Oui, grand-père. Mais avec un petit coup de main de Spirou et Fantasio. Tenez, on a retrouvé ça en faisant le ménage. Et s'il vous plaît, shérif, prenez soin de vos nouveaux pensionnaires. Ça, mon gosse, ça m'étonnerait qu'ils s'évadent de sitôt. Oh, si ma pauvre maman me voyait. Oh. Je suis un stupido. Je n'ai jamais la chance avec moi. Moi, vite, la déveine. Oh, maman.